Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 6 janvier et là il est 9h30. Je me trouve actuellement entre Catherine et Matarranka. Voilà, à peu près à équidistance. Je crois que ça doit être une quarantaine de kilomètres de Catherine. Je me suis arrêté là parce qu'hier il faisait nuit quand je suis parti de Catherine et il n'y avait pas de camping gratuit à part celui-là. Donc j'ai dû rouler pendant une grosse demi-heure, je pense, pour arriver ici. Donc quand il fait nuit, c'est pas terrible. En plus, il y avait des orages, pas mal de pluie. Voilà, donc je me suis arrêté ici. Il n'y a pas grand-chose ici. Il y a des toilettes, c'est tout. Et des tables pour manger, des poubelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le programme d'aujourd'hui, donc toujours, on redescend toujours vers Alice Springs. Je sais pas jusqu'où on va aller. On va voir. S'il y a des choses intéressantes en route, je m'arrêterai. Et puis sinon, je roulerai, comme d'habitude. Décidément, c'est pas mes journées. Là, je voulais aller à Matarranka, il y a des sources d'eau chaude aussi. Et en fait, c'est fermé. Ils nous disent qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas aller se baigner parce qu'il y a des crocodiles. Voilà, sur le panneau là-bas. Donc du coup, on va faire demi-tour et puis on va regarder ce qu'on va faire. Là, je quitte Matarranka du coup, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici, à part des bassins naturels. Apparemment, ça avait l'air très joli. L'eau à 34 degrés toute l'année. Mais c'est fermé. Tant pis pour moi. Là, j'ai plus qu'à redescendre au sud. Mon point de chute, c'est Attack Creek Rest Stop. C'est une autre aire de repos. Avant d'arriver vers Alice Springs. Si je vois quelque chose, je m'arrêterai. Sinon, je continuerai. J'ai prévu de faire 500 km aujourd'hui. Voilà. M'arrêter juste avant Tennant Creek et il reste 1069 km jusqu'à Alice Springs. Voilà, donc ça va être le programme de la journée. Pas très intéressant, sauf si je trouve quelque chose en route. On verra bien. Il y en a même qui font de l'hélicoptère. C'est sûr que ça va plus vite pour se déplacer. Première fois que je vois ça. Un hélicoptère qui se pose sur une aire de repos. Sinon, toujours rien hein, sur la route. C'est tout droit. Toujours tout droit. Mais il n'y a pas grand chose à voir. Voilà. À part des termitières. Des termitières. Et je crois que du coup je t'ai déjà filmé à l'aller, je suis pas sûr.
C'est tout petit, hein, comme ville. Ça y est, là, il s'est arrêté de pleuvoir, donc ça n'a pas duré très longtemps, c'était plus une petite averse. Du coup, moi, je vais rester ici pour la nuit. Alors, il n'y a personne. Je suis vraiment tout seul, pour le moment. Peut-être qu'il y aura d'autres gens, mais pour l'instant, je suis tout seul. Bon, la journée pas très intéressante, hein, comme vous avez pu le remarquer. Il n'y a pas grand-chose sur la route, à part des paysages et puis des lignes droites. Voilà. Donc demain on continue la descente jusqu'à Alice Springs. Alors j'arriverai pas jusqu'à Alice Springs, je pense que je vais m'arrêter au niveau de Tea Tree, qui est juste avant, qui doit être à 100 ou 150 km avant. Donc voilà, ça va être, je pense, comme aujourd'hui, pas très intéressant. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. J'ai vu qu'il faisait quand même très froid, ça y est, la neige était bien arrivée. Donc bon courage, et puis comme d'habitude, partagez, likez, partagez, j'ai déjà dit, ouais c'est ça, et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée, ciao ciao ciao.